Welcome to the book reader's heaven, a daily dose of French literature. Reading is sexy. Extrait numéro 30. Le club des incorrigibles optimistes. J'étais un lecteur compulsif. Je lisais en marchant. Il me fallait 15 minutes pour aller au lycée. C'était un quart d'heure de lecture qui s'étirait en une demi-heure au plus. J'arrivais souvent en retard. J'ai fini par classer les écrivains en deux catégories. Ceux qui vous laissaient arriver à temps et ceux qui vous mettaient en retard. Les auteurs russes m'ont valu une ribambelle de colle. La période Tolstoï a été un mois noir. La bataille de Borodino a entraîné 3 heures de colle. Quand quelques jours plus tard, j'ai expliqué à la pariteur que mon retard était dû au suicide d'Anna Karénine, il a cru que je me foutais de lui. J'ai aggravé mon cas en avouant que je n'avais pas compris pour quel motif elle se suicidait. J'avais été obligée de revenir en arrière par peur d'en avoir manqué la raison. Il m'a collé pour 2 jeudis. Un pour ce énième retard, l'autre parce que c'était une emmerdeuse qui ne méritait pas autant d'attention.